C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez. C'est pas pour les doux. Eh oui, je suis de retour après 3 mois, période intensive d'impôts. C'est qui ça? Hey, c'est moi, c'est Mick. Un revenant. Hey, j'étais encore scrap, mais je suis là avec vous à soir. Ben ouais. Épisode 55 du 10 mai 2019. Max, ça va? Ça roule, je prenais une glou. Monsieur Lepage. Ça va bien, merci. Hey, le dernier, c'était ma fête, puis on enregistre la veille de la fête à Max. Ah, c'est vrai. On va voir quel âge, man. On s'en va dans la trentaine, mon cher Yvon. Tabarnak. On s'en va dans la trentaine. Comment sort des problèmes, genre de digestion, des trucs de même? Non. Ça va bien. Normalement, ça va relativement bien, là, à part quelques écopes la semaine passée, là, mais sinon, ça roule. Bon, mais tant mieux. On va être généreux. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, mon Lepage? Ben moi, on va faire un retour sur les services online que Nintendo nous a offerts depuis qu'on paye. Puis est-ce qu'on est satisfait du produit? Ouais, ça risque d'être cool. Fait que toi, tu vas parler de quoi dans les sujets, mon mec? Hein? Ouais, on avait discuté de ça dans un ancien, une vieille épisode. Puis c'était toujours, c'était pas le vieux format en direct, là, ouais, Twitch. Là, on parlait du cheating dans le gaming. Je voulais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui est cheaté, qu'est-ce qui l'est pas? Faire une espèce de parallèle avec la vie... en général. Ouais, je pense qu'on avait glissé quelques petits mots. Je vais faire un mini retour sur ce qu'on avait parlé, moi et Jeff, en même temps. Ça va être intéressant. Tous les tricheurs que je connais dans mon entourage, j'ai un carnet, puis je vous note dedans. Parce que à un moment donné, je sais qu'il va y avoir un couteau dans mon dos. Est-ce que checker les walkthroughs, c'est cheaté, Michael? Ouais, Goulet? C'est le genre de truc qu'on va discuter tantôt. Ouais. Yes, puis moi, ben, je vais parler, bien sûr, sur ce beau segway de cheating. Je vais parler de Pro Jared, le shit show qui est arrivé. Le 9 mai, dans la nuit du 9 mai, voilà pas trop long, un gros shit show, quelqu'un qui détruit sa carrière en un tweet et en quelques heures. YouTube drama. Yes, sir. Tu ferais un drama alert. Ben, c'est ça, on va commencer avec Keemstar. Fait que ça va bien aller, vous allez voir. Hey, ça, c'est un spoiler alert pour tout le monde dans l'épisode. Yeah, c'est un punch. Bon, fait Criff, on part-tu les news? C'est quoi qu'on met normalement quand il y a les news? La toune de Final Fantasy, c'est ça? Let's go! Fait que Lepage, avec un sujet classique qui est assez récurrent, je suis parti 3 mois et on est encore direct dessus. Mon éternel combat, mais là, j'ai l'impression là, au moins qu'avec cette nouvelle-là, mon combat avance un peu. Je vais vous parler d'un gars avec qui, à la base, je pense que j'ai pas grand-chose en commun. Josh... Je vais vous expliquer pourquoi. Okay, vas-y. Josh Haley est un sénateur républicain du Missouri. Il a fait des sorties publiques, entre autres, contre Google et Facebook pour dire qu'il y avait un billet anti-conservateur. Je pense que Max va partager cet avis-là avec lui. Ouais, sûrement. Là. C'est un gars qui est anti-avortement, qui est pro-gun, qui est contre Obamacare et les soins de santé universels. J'ai plein d'affaires en commun avec ce gars. J'imagine que tu dois connaître. Pourquoi qu'on me regarde? Ben, je sais pas. C'est pas tout le monde me regarde. J'ai rien fait. Moi, j'ai rien dit. Je bois ma bière. Mais autour d'une bière, moi et ce gars-là, on aurait découvert que tous les deux, on haït les loot box dans nos jeux vidéo. Ben pourquoi pas? Ben, pas rien que vous deux. Tout le monde, en fait, à part les petits-enfants et ceux qui savent pas gamer. Ce gars-là, Josh Haley, présente au Congrès, au Sénat américain, une loi qui s'appelle « The Protecting Children from Abusive Games Act ». Wow, hey, ils n'ont pas été de main morte. On va t'en faire un, prophète de moi, calisse. On va protéger nos enfants. Tout est plus facile à bannir quand tu dis que c'est pour protéger les enfants. Et le but du projet de loi est de bannir les lootbox et les microtransactions pay-to-win dans les jeux qui s'adressent à un public de moins de 18 ans. C'est une description qui est extrêmement floue. Il vise pas quelques jeux, mais semble il visait Candy Crush, j'ai entendu dire. Il a utilisé Candy Crush, qui est maintenant, ça fait partie d'Activision comme exemple. Mais techniquement, ça pourrait être n'importe quoi qui n'est pas rated M for mature. Okay. Tout ce qui est en bas de 18 ans, normalement, pourrait tomber là-dedans. Fait que c'est flou. Évidemment, plus que le projet va avancer, s'il avance, ça va mieux se définir. Là. Mais il nous dit que quand un jeu est joué par des enfants, les développeurs ne devraient pas avoir le droit de monétiser une dépendance. C'est très vrai. Les développeurs qui exploitent ce marché-là, en toute connaissance de cause, devraient avoir à faire face à la justice. Je checkais des commentaires par rapport à cet article-là. J'ai même pas lu l'article. Là. Je sais que je suis pas très rigoureux. Là. Mais... du monde qui disent qu'un jeu à ce temps peut coûter jusqu'à environ 170$ si tu commences à tout acheter des shit. 6 000$ de microtransactions dans le nouveau Mortal Kombat. Ouais, ouais. Si tu achètes tout avec de l'argent, il n'y a personne qui va faire ça. Ouais, 6 000$ de transactions. C'est l'extrême, même cet exemple-là, moi je trouve
tu sais, je n'aime pas les microtransactions, puis je le trouve un peu malhonnête, okay. Là, parce qu'il n'y a personne qui va mettre 6000 pièces dans Mortal Kombat. J'espère. Ben, on sait jamais. Mais c'est juste qui tombe sur la carte de crédit de sa mère, puis qui décide de tout acheter. C'est juste un jeu comme Destiny. Quelqu'un qui l'achète à la sortie à 80$, qui achète tous les DLC quand ils sortent, juste pour le contenu, tu peux être à 200$, okay. Plus les loadbox, plus tout ce qui est microtransactions cosmétiques, etc. Fait que ça peut monter à un prix de fou. Ils ont parlé à Radio X ce matin ou hier qu'il y a un jeune qui a dépensé 11 000$ avec la carte de crédit de sa mère sur Fortnite. Oh, hein? Ça le problème des loadbox en particulier, c'est ça frôle le gambling. C'est fou, hasard, je sais pas. 11 000. J'espère avoir le Legendary à un moment donné. Là, je fais un parallèle peut-être douteux, mais tous les jeux de. Quand je joue un peu, moi, à des trading card games, là, comme Magic, ou des affaires même, penses-tu que ça pourrait être impacté par ce projet de loi-là ou, C'est sûr que le concept d'ouvrir des packs, c'est un peu attendez, ça. Attendez, je joue au nouveau Yu-Gi-Oh! Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que les booster packs, tu les achètes pas. C'est de la money in-game que tu récoltes en faisant la campagne ou des multiplayer games. Là, tu achètes des booster packs, tu fais tes decks parce que sinon, tu débloques des recettes de decks. Il faut que tu graines les cartes. Et qu'est-ce que tu peux acheter? C'est des decks complets. Okay. Fait que t'as aucun hasard, t'as aucune affaire de lootbox ou de gambling. Mais moi, je parle, mettons, vraiment physique, là. Non, ben peut-être non, qu'à non, un moment donné, ils vont restreindre la vente des cartes Magic au monde de 18 ans. Peut-être, mais... Je sais pas, je pense pas là, qu'on en vienne jusque-là. Ben, quand ça rouvre la porte un peu à mais ça. Mais au moins physique, tu sais, le jeune, faut qu'il se déplace. C'est rare que la carte de crédit de sa mère ou ce qu'il peut là, la fouler, tu sais. Je comprends le concept et le rapprochement que tu fais. Je suis un peu d'accord, mais je sais pas, c'est exactement la même affaire. Je sais pas. J'ai de la misère à faire un parallèle un pour un parce que dans le cas des cartes de Magic ou de n'importe quel autre trading card game, le produit, c'est les cartes. T'as pas... Mais ben, il y a un aspect gambling, oui, c'est oui, sûr, ça, je veux dire. Un aspect hasard, mais en même temps... C'est pour protéger nos enfants, c'est ça. C'est ça. C'est une bonne question. Ouais, ben, c'est parce que ça pourrait ouvrir la porte pour ça. L'argument de la pente glissante, oui, t'as raison, ça peut ouvrir la porte. L'argument de la pente glissante. C'est un bel argument, mais... ça. J'ai aussi découvert qu'un lootbox en français, ça s'appelle un coffre à butin en faisant des recherches. Oh, wow! Hein? Une expression qu'on devrait plugger plus souvent. Mais moi, je pense que c'est ça qu'on peut résumer en gros, là, cette histoire-là, avec cette affaire-là. Won't somebody please think of the children? C'est sûr que ça facilite un argument quand tu dis que c'est pour les enfants. Ouais, pour vrai. On va voir si ça va aller plus loin. Il y a beaucoup de projets de loi qui aboutissent à rien. Mais. Souhaitons-lui bonne chance. Je partagerai l'avis des républicains. Après ça, ça va le être moment cool. D'une chronique. C'est good. Yes. Donc, Max. La semaine prochaine, je vais être dans le Tea Party. Tu vas venir, tu vas avoir ton kit, mon gars. Ouais. Max, prochain segment. Ben, je suis très content et très fier de ma belle Nintendo Switch qui, au Japon, va très bien et était. V'là deux jours sur le point de surpasser les ventes lifetime total de toutes les ventes de consoles de PlayStation 4 au Japon par contre. Mais ouais, donc au Japon, c'est sûr et certain que c'est la console de prédilection, le monde tripe ben gros et j'aimerais beaucoup voir ça au Canada et aux États-Unis. Mais si c'est au Japon, c'est-tu comme je pourrais dire un marché de test, je sais pas, ça va-tu genre aller mondialement? Si au Japon c'est ça, penses-tu que ça va s'appliquer non, au reste du globe? Au Japon, ils ont une configuration de leur pays, de leur place un peu particulière, où c'est plus restreint, tout le monde est plus collé un peu. Tu sais, le Japon, c'est pas gros, il y a beaucoup de monde, hein? Fait que beaucoup de fonctionnalités, de portativité, parce que l'aspect portatif, là, tu passes beaucoup de temps à te promener dans les trains, dans ces affaires-là. Okay. Ça l'aide beaucoup. Je sais que pour la 3DS, c'est quoi, comment ça s'appelle l'affaire? Street Pass! Le Street Pass, ça c'est le genre de Wi-Fi local. Quand tu détectes une autre 3DS, tu peux jouer localement avec le monde. Ça, la 3DS a marché beaucoup au Japon à cause de ça, parce que tout le monde, ils sont full proche, tout le monde est collé. Et ça, t'as Saint-Philibert, c'est pas une personne avec ton PayPal, avec ton Street Pass, là. Donc, il y a plein... Puis encore une autre affaire, nous autres, à Saint-Philibert, où ce qu'on n'a pas de choses en commun, quand on se déplace, de transport en commun, dis-je, quand on se déplace, on prend notre char, on peut pas gamer tant que ça. Fait que sur la route, moi, je game parce que j'ai un emploi particulier que des fois, j'ai des gros breaks. Fait que là, je l'amène la Switch. Mais sinon, toi, tu
pourrais-tu t'en gamer que ça roule non, que ça? Non, je pense pas. Comme tu dis, donc, c'est des réalités géographiques. Exactement, qui font que j'aime, au Japon, j'aime cette expression-là. J'avais de la misère à la trouver tantôt, mais oui, c'est différent un peu le marché japonais. Donc, c'est pour puis ça que je suis pas sûr qu'au Japon, le Xbox au poignet tant que ça non zéro. Plus. Hein, oh, c'est ça, Xbox, ils en ont vendu à peu près 4. tu check vite en pourcentage. Là. la Switch et la PS4 sont à un petit peu plus que 8 millions chaque. Fait que ça fait à peu près 10% des ventes de PS4, puis on est à peu près à 25% des ventes de Switch. Fait que le marché japonais, je pense que c'est plus fan de Nintendo que le marché nord-américain ou européen. Oui, je pense oui, Sony c'est sûr. Fort, hein. Mais c'est sûrement que c'est du monde qui ont déjà une PS4 puis qui ont une Switch en plus. Regardez j'imagine. Ici. Tout le monde, comme moi, tout le monde a le combo, tout a le combo, le page. Switch PS4. Oui, j'ai les deux, moi aussi. Tout le monde a le combo Switch PS4 à part les pas là. Non, mais ça, quand j'ai venu le temps d'acheter, une deuxième console, j'avais déjà PS4. J'aurais, tu sais, mettons, 3-4 ans après que ta PS4 soit sortie, que tu peux te dire, je peux m'en acheter un autre sans que ça fasse trop mal à mon portefeuille. Là. J'aurais acheté un Xbox pour Forza, à peu près, ou une Switch. Fait que j'ai acheté la Switch. Je pense que c'est le choix que beaucoup de monde dans cette situation-là ont fait aussi. Là. Ça va, Max? Ouais, je regarde le feed YouTube, continuons. Hey, on a eu les premières images de Sonic, le film. Ouais, cette belle guenille de peluche. Ça, on avait parlé, me semble, des premières images qui avaient un peu consternation sur Internet. Mais je vais vous dire, moi, personnellement, quand j'ai vu ça... Ouais, c'est gars fanboy, il dit là-dedans ton opinion. C'est ben, l'homme agressif. J'ai ça. Envie de la partager, là. Now, wait a minute, Max! No! Mais moi, c'est pour vrai, ça l'a éveillé ma curiosité de voir ça. C'était la guenille qu'il avait faite. Là, je dis, Chris, ça dormait de l'air dégueulasse. J'ai envie de le voir à cause de ça. Tu sais, il y a comme une curiosité là, de médiocrité. Tu sais, tellement que ça a l'air de la merde, je veux le voir. Beaucoup de monde ont dit ça, que c'était peut-être voulu, le fait d'être merdique. Mais là, le design de Sonic, c'était le gros problème du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui a été adressé officiellement par eux autres qui font le film. C'est quelle compagnie qui fait le film? J'en ai absolument aucune idée. Je vais demander à Google pendant que vous... C'est hollywoodien, là, j'imagine. Ouais, en tout cas, le monde qui font le film ont compris, puis les producteurs ont fait « OK, regarde, on va changer le design de Sonic ». Ils l'ont annoncé mais officiellement dans un tweet. Qu'est-ce que j'ai détesté? C'était un peu là, ça un peu le format anthropomorphique. Paramount. C'est ça, ouais. Là, c'était trop humain. Paramount, dirait ça. Puis, j'aimais pas la texture de mascotte peluche qu'il avait mis. Là. Ben, Pikachu, ça fait bien, mais Sonic, c'est pas rien que ça. C'est la face, les dents humaines, les petites... Ouais, c'est ça. Petits, il est trop humain. Il y a même pas de gants. Il y a même pas de gants. Il y a pas de gros souliers. Ouais. Ça, c'est Pikachu. Pikachu, oui, ils ont donné de la texture, whatever, mais il est quand même très proche du design original de Pikachu. Tout le monde connaît, là. Ils sont pas énervés ben avec. Moi, je l'imaginais plus plastique, un peu Sonic. Un peu plus genre... Je l'imaginais pas avec du poil de même, non? Non, je l'imaginais comme plus plastifié, en tout cas. Je sais pas. Bon, regarde. Mais ouais. Comment tu fais? Là, ils ont annoncé qu'ils allaient refaire... qu'elle est redesigné Sonic. Ouais, ils vont refaire. Le film sort dans genre 6 mois. En novembre, ils vont tout refaire. Oh, Charles Code. Comment tu fais pour Charles Code refaire? Je comprends que c'est juste du CG puis que les restes peuvent le prendre, mais Chris, ils ont 6 mois pour refaire le personnage principal du film d'un bout à l'autre. Là. Ben, c'est des scènes. C'est pas comme s'il y avait à aller reprendre un acteur puis tout réenregistrer. Tu changes les scènes de fond, tu redesignes Sonic. Ouais, mais je veux bien, mais c'est quand même c'est mieux six mois ça pour refaire un film au complet. C'est mieux ça que le film tank, puis au pire, s'il y a des délais, le monde va être plus content d'avoir un vrai Sonic qui a de l'allure. Que... Ça reste à prouver. Là. Mais est-ce que c'est pertinent de ressortir Sonic, là? Oh, dit le Sega fanboy. La majorité des films de jeux vidéo sont pas particulièrement pertinents. Pour non, être d'après moi, ça devrait pas exister des films de jeux vidéo. Ben, là, justement, mais ça, non, pour le prochain sujet... Qu'est-ce que t'en penses de ça, de Pokémon Détective? Je sais pas, je suis mitigé un peu. Pareil qu'il est bon. Je pense pas. Je vais attendre qu'il sort ou je vais me le backupper. Tu vas te le backupper? Tu vois? Une copie super legit. Vas-tu te faire un beau casing, quelque chose? Oh, je vais le lever quelque part, là, je vais le backupper.
Mais tu penses, t'es-tu intéressé par ça, toi? T'es quand même un gros fan de Pokémon. Non, pas vraiment. Comme je viens de dire, les films de jeux vidéo, là, moi, là, ou les films de manga, là, genre mais Death Note, jamais je vais écouter ça. Il semblerait qu'il y a une bonne réception, pareil. Après. Quand même. C'est ça que j'ai cru comprendre, mais ça me voir Pikachu parler, il y a quelque chose qui cloche dans ma tête. La chose qui pique ma curiosité, c'est que la voix, c'est Ryan Reynolds qui fait Deadpool. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça se traduit en Pikachu, là. Ouais. J'ai bien hâte de voir, mais je pense pas aller le voir. J'irai pas faire la grande roue. Non, au cinéma Saint-Georges. Non, parce que je faisais la grande roue au cinéma Saint-Georges. Je parlais à Camille qui allait voir le film Pokémon avec sa sœur. Ouais, moi, j'attendais en avant. Puis il y a des Huns énervés en avant. C'est des beaux souvenirs, ça. Ouais. Je suis pas sûr que c'était lui, mais en tout cas, ça se peut. On en était devant, puis on s'énervait de même. Fait que je n'ai conclu ça. C'est lui qui l'a fait, puis toi, t'en as vu le faire. Ben, regarde, il y a une association qui peut se faire. Moi, j'étais là, j'avais pas d'affaires là. Puis lui, il était là. Puis c'était de mon âge. C'est ça, moi, j'étais comme un peu vieux. Pourquoi 2 ans de plus? 2, 3 ans. Ouais, à cet âge-là, ça paraît plus. Secondaire 1, puis mettons, t'écoutes Pokémon, là, ça se peut que tu sois victime de raillerie. Ça a sorti, moi, quand j'étais en 5e année Pokémon. Là. Fait qu'on était rendu à Sony State of Play. Oh, mais avant qu'on starte ça, j'ai une petite affaire à mettre, parce qu'on célèbre quelque chose en ce Sony State of Play. Ah. C'est-tu vrai, cette fois-ci, ou c'est pas vrai? Yes, c'est vrai. Yes, c'est vrai, OK? En 2024. Dans le fond, la grosse présentation du E3, on sait que ça va être Square parce qu'ils prennent le spot de Sony. Fait que déjà là, à part Nintendo, tu sais, ils sont là, mais c'est une présentation un peu un genre de Nintendo Direct, hein? Fait qu'il restait quoi? Il restait Sony, le monde allait voir Sony en gros. Tu sais, oui, ils ont pris le gros time slot, mais en même temps, Square, l'année passée, c'était un Nintendo Direct. Là. C'était 20 minutes de trailer collé un en arrière de l'autre. Ouais. Je m'attends pas à 2 heures avec des orchestres et des feux d'artifice. Non, c'est sûr, mais là, l'important, c'est que dans le State of Play qu'on va venir en parler, là, ils ont annoncé Final 7, ils n'ont parlé, ils ont dit de... Ouais, ils ont sacré tout le monde dehors. Le remake is coming, ils ont montré des nouvelles scènes, c'est vraiment malade. Ils ont montré, ils ont reworké pas mal les caractères, les bonhommes. Beaucoup, c'est-tu beaucoup. Vraiment malade? Ouais, c'est beau. Vous l'avez pas vu? Oui, je l'ai vu. Puis. C'est beau, on part-tu de ça? On commence-tu avec ça? Commençons avec ça. On est parti. Tu sais, je sais pas, le système de combat real-time, ça me fait penser beaucoup à Final 15. Ouais, pas sûr que c'est ça que je veux. Ça me tente. Ça me fascine un peu moins. C'est pas mais... du turn-by-turn comme. Non, mais j'ai hâte de voir. Peut-être qu'on l'aura pas épisodique comme il y avait quand, au début. Quand Harry se retourne vers la caméra et qu'elle te demande « Are you okay? » Je sais pas. En même temps, je suis encore à convaincre. Moi, j'ai trouvé ça cool. Voyons, toi. Je t'ai convaincu. Je te trouve cynique un peu, Mr. Joueur Cynique. C'est ma job. Hein. Ben, c'est ça. Ils ont mis beaucoup de ressources dans le jeu, fait qu'à mon avis, il faut qu'il plaise à le plus de monde possible. C'est sûr qu'on n'a pas vu grand-chose, fait que je me base sur rien, mais... Ben, juste que tu me dises que c'est des explosions ou des 7 pieces. Que c'est pas tour par tour. Drette là, moi, ça me turn off pas mal, là. Tu sais, je veux pas, mais. Moi, là, pour là, je suis content qu'on ait eu une annonce. Je suis content qu'il ait reworké les personnages. Peut-être que je vais être capable de un peu m'adapter à ce style de combat-là. Okay, ouais. Parce que l'histoire est tellement cool de Final 7. J'ai tellement hâte de voir. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme remake? Moi, je suis positif. Je demande à en voir plus. Je vais réserver mon jugement final, jusqu'à, mettons final, mais que ça sorte, mais mon premier jugement, je vais le réserver pour le E3. Bon. Ou est-ce qu'on devrait en avoir un peu plus? Bon. Mais sinon, le deuxième State of Play de Sony, où est-ce qu'on reprend pas mal la formule Nintendo Direct, on envoie des trailers un en arrière de l'autre, puis ça dure à peu près une 15-20 minutes. Le premier avait soigné dans le beurre pas mal parce que c'était tous des titres de VR, Mortal Kombat puis Days Gone, qui étaient des jeux que tout le monde savait déjà. Là, je trouve qu'on avait des gros morceaux intéressants, ce qui a rendu les plus petits jeux, je pense, un peu plus intéressants du fait que c'était mieux enveloppé que juste en... Il y avait quelques jeux, moi je l'ai écouté, là, ça avait l'air, tu sais, j'ai fait « Ah, ça a l'air cool, ça a l'air pas pire. » Ils ont commencé avec le DLC de Monster Hunter World Iceborne qui va sortir le 6 septembre prochain pour Xbox et PS4, plus tard sur PC.
Il y a des informations que j'ai là qui ont été montrées dans le stream que l'équipe de Capcom a fait tout de suite après, là, mais ils ont annoncé entre autres 4 nouveaux boss qui vont être dans l'expansion, dont un qui ressemble à un gros Chris d'Orignal qui tire des bio de bois, ça a l'air particulier. ils disent que ça va être la plus grosse zone dans la Monster Hunter World jusqu'à maintenant. Ça va avoir un nouveau rank aussi pour les gens qui demandaient le G-Rank, le Master Rank depuis que Monster Hunter World est sorti, ça va être ajouté là-dedans. Là, t'es rendu à commandeur toi à ce jeu-là? J'ai autour de 150, je dirais. Ça fait un petit bout que je joue moins, mais ça, ça devrait me ramener au moins pour faire le nouveau stock. Il va y avoir des nouvelles armes, évidemment, avec le G-Rank, ça va être tous les nouveaux sets d'armure, les nouvelles armes. Ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles attaques pour les différents movesets vont avoir des nouvelles attaques qui vont s'ajouter quand ils vont envoyer l'update. Il y a beaucoup de nouveaux stocks, donc ça peut être intéressant. Riverbound ensuite, qui est un dungeon crawler qui m'a un peu fait penser à Diablo versus Minecraft dans le design. Moi, ça me faisait penser à 3D Heroes, que c'est, comment ça s'appelait? 3D.Heroes. Ouais. Ça ressemblait vraiment à ça, le genre de Zelda-like en pixel, mais ça, plus dungeon crawler. Ouais. Ça a l'air correct. Ce qui avait de plus intéressant, c'est qu'il annonçait qu'il y aurait des personnages jouables comme Shovel Knight, comme la balle de Enter the Gungeon, ouais, le personnage de Bastion, etc. Ouais. Pour ça, ça peut rendre ça plus intéressant. Sony qui annonçait un nouveau titre First Party, Predator Hunting Grounds. Après Spider-Man, on achète une nouvelle licence. Predator. Le film, Predator. Ouais. Non, pas To Catch a Predator avec Chris Hansen. Non. Predator. Ça va être un jeu multiplayer asymétrique à la Evolve ou Vendredi 13 où un joueur contrôle Predator puis l'autre contrôle des soldats qui essaient de tuer Predator. OK. C'est pas un jeu qui aurait dû sortir en 94, ça, ou quelque chose. Il y en a peut-être un sur Virtual Boy. C'est... Ouais. Je sais pas, Evolve et Friday the 13th n'ont pas levé tant que ça, j'ai hâte de voir, mais pourquoi pas. Medieval qui va sortir le 25 octobre juste pour l'Halloween. Ça te l'air qu'il y a un hype autour de ça. C'est bon, Medieval, à part toi qui n'as pas vraiment trippé sur la caméra. Ah, man. J'ai trouvé ça très beau, mais le gameplay a l'air d'être resté très fidèle à la version originale, donc j'ai l'air de voir à quel point ils l'ont updaté. Est-ce que Mick va être encore malade? Ouais, je sais pas, t'as-tu rejoué à Medieval au PS1? Non, c'est ça, mais j'ai peur que ça... On avait joué au remake au PSP, mec, même pas au PS1. C'est un cas de... Ils peuvent avoir gardé juste le level design puis l'esthétique, mais avoir updaté les contrôles assez pour que ça soit plus jouable. Parce que c'est sûr que si tu le gardes proche de ce que c'était au PS1, ça n'aura pas bien vieilli pendant tout. Je pense pas qu'ils sont stupides de pas l'updater. J'ai de quoi rajouter, moi, là-dessus. Combien de fois que j'ai entendu parler les Sony fanboys... à chaque fois qu'il y avait des remakes de Nintendo, dire le Nintendo font juste des remakes, c'est de la merde. Puis ils chialaient, puis ils chialaient. Combien de fois que fucking Medieval vient d'être remaké, là? Ils l'ont remaké au PSP, c'est la troisième fois. Ils ont fait Crash, ils ont fait Spyro aussi. Fait que, les Sony fanboys, là... Je pense que tu t'inventes des ennemis, là, Max, parce que des Sony fanboys qui disent ça de ne pas en avoir tant. Ah non, il y en a beaucoup de remakes au PS4. Il y en a beaucoup du monde qui disent ça. Beaucoup de remakes au PS4. Je sais que t'aimes ça en Nintendo fanboy, t'es victimisé. J'ai connu... Saleté de gauchiste. J'ai dit sur ma liste. Le jeu qu'on présentait après, ça s'appelait Away the Survival Series. Au début, ça te montre comme jouer un genre d'écureuil volant qui mange des autres créatures. Je pensais au début que ça allait comme Spore, mais en beaucoup mieux. Genre, t'es vraiment comme c'est quoi ton Spore? Comme tu pars à genre une bactérie, puis là tu grossis, puis tu deviens un poisson, puis là tu sors de l'eau. Puis, ça avait l'air vraiment cool, mais finalement, je me suis rendu compte que ça a l'air d'être pas mal juste des jeux de survival où tu vas jouer un animal dans une scène puis il faut pas que tu meurs. Là, que ça a perdu un peu de son potentiel pour moi. Ça me faisait penser au jeu de chien, Tokyo. Ça te dit-tu de quoi ça, Tokyo? Je sais pas trop quoi. T'es un chien, tu survis. En fait, t'as le choix d'être un carnivore, un herbivore, puis là, t'évolues puis il faut que tu survives un peu à un apocalypse. Je pense que ça va être plus proche de ça un peu. Le tagline, c'était ça, survive natural disasters and find your way to sanctuary. Ouais, c'est le genre de Tokyo, je sais pas trop quoi. Et on a fini évidemment avec Final Fantasy VII, le clou de la soirée, en nous disant A brand new look at a long awaited game. No shit.
Jean qui nous annonce que ça va être sur PS5 en 2024. Details to come. Pour vrai, t'es même... Non. Moi, d'après moi, on devrait l'avoir peut-être l'automne prochain sur un launch title de PS5. Il parle de moi que de qu'est-ce que j'ai. Et sur PS4. Ouais, c'est épisodique, par exemple. Non. Faut pas qu'il fasse ça. Il l'avait déjà annoncé que c'était épisodique. Non, faut qu'ils reviennent sur leur décision. Si c'est épisodique. Depuis, ils ont changé de développeur. Ben oui, ils ont tout sacré le monde à la porte. On va faire une prédiction gros, audacieuse. Mais si c'est encore épisodique, ça sera vérifié. Ça va faire. Mais si c'est encore épisodique, novembre cette année, premier épisode. Oh. Puis, comme tu dis, Max, ça va être cross-plateforme entre PS4 et PS5. Il parle que c'est un titre que ça va être sur les deux consoles. Moi, je pense qu'ils vont faire un Zelda Breath of the Wild puis un Zelda Twilight Princess. Ils parlent de Death Stranding aussi qui sera manché de même. Là. Okay, parce qu'ils n'ont pas parlé de Death Stranding, justement. Ils n'ont pas parlé aussi de... Mais les gros, c'était pas là. Last of Us, Cyberpunk. Last of Us, Ghost of Tsushima. Mais Cyberpunk, c'est Project Red. Ça, je m'attends à ce que ça soit au E3, le Cyberpunk. Ouais, c'est pour ça qu'ils peuvent pas spoiler qu'est-ce qui va arriver au E3. Mais non, je pense que c'était tous des jeux. C'est pour ça que Keyplugé final... Tous les autres jeux dans le show, c'est des jeux qui c'est soit avaient une date officielle, soit c'était genre cet été ou quelque chose comme ça. Là, je comprends qu'ils veulent le teaser parce que le monde veut se faire teaser depuis longtemps. Mais... Ben, gars, moi, j'aimerais dire que je suis bien content parce que normalement, là, surtout avec le dernier griff de State of Play on avait, je trouve que Sony... C'est plate! Ouais, le premier State of Play, c'était... Bon. Ça a souillé dans le beurre, là, un désastre un peu. Et voilà. Ok, Criff, on n'a pas... Ah, ben, on aurait un beau segue avant notre premier sujet. Les nouveaux jeux de Nintendo Switch Online. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi, c'est Clu-Clu-Land? Clu-Clu-Land, c'est Excitebike VS. Et c'est quoi l'autre? C'est un jeu d'arcade, en tout cas. C'est trois jeux d'arcade... Rien de trop impressionnant. Va donc checker pendant que je déblatère. Rien de trop impressionnant, mais un point positif. C'est la version VS d'Excitebike, qui est pas beaucoup de monde a joué à part nous autres. C'est quoi la version VS? C'est la version CD? Non, la version VS, les VS, c'était des machines d'arcade de Nintendo où ce que les jeux Nintendo étaient où ce que les jeux étaient rendus multiplayer comme... Excitebike, normalement, tu peux pas jouer à deux. Quand tu arrivais à VS, tu avais deux machines d'arcade, une à côté de l'autre, on mettait des 25 cents, puis vous jouez contre. Real time sur les arcades. T'as Mario VS, t'as plein de jeux en VS. C'est-tu pertinent? T'sais, pourquoi ils nous donnent ça au compte-goutte de même? Là? Moi, la question, c'est, je serais d'accord avec ça si, mettons, il y avait une autre catégorie où ils sortent un jeu de SNES aussi, puis un jeu de 64 aussi. Il faudrait qu'il y ait un jeu de chaque console à chaque mois minimum. Y a-tu des jeux de 64 actuellement? Non, il n'y a rien. Il y a juste le NES. Il faudrait au moins trois jeux de NES, trois jeux de SNES, trois jeux de 64. Ils vous donnent des miettes. Si vous êtes des vrais pigeons. Ben oui, mais on n'a pas le choix pour jouer à Smash Bros. Comment veux-tu qu'on joue à Smash Online sinon? On n'a pas le choix. No choice. On est prisonniers! Mais là, ils vous donnent des miettes. Non, mais je suis un peu d'accord. C'est rien contre les jeux qui sont là, mais Cuculan ou Adventure of Lolo, avant Contra, avant n'importe quel des Castlevania, avant n'importe quel des Mega Man, avant n'importe quel des jeux Capcom Disney, avant Adventure Island, avant Bubble, la liste peut continuer pendant des heures que... C'est vrai que c'est des miettes, non? Tu sais, les versions remix de Metroid puis Zelda, c'est le fun, merci, mais Chris! Lâche ta consternation, là, t'es en train de taper sur la table puis tout faire renverser. Ah, je vous comprends, c'est pas tant hot que ça, et d'ailleurs, ça fait un beau segue sur ton sujet. C'est quoi ton sujet, mon Lepage? Ben, t'es pas mal dedans, hein? Justement, je voulais revenir sur ce que Nintendo nous offre comme service online. Ça, c'était pas mal le premier point. Là. La console NES sur la Switch qui est, j'oserais même pas dire limitée. Là. C'est même quand c'est sorti, mon point, c'était qu'ils me disaient qu'ils devraient tout mettre s'ils sont capables d'avoir la licence. Mettre à toute l'archive. C'est ça. Mais tout ce que tu peux mettre. Imagine y a personne Virtual qui... Console, mais en service. C'est ça, mais là, pis ça drop au compte-gouttes. Pis c'est pas des jeux particulièrement intéressants. Ben, c'est déjà dur d'être hype pour cool. C'est déjà dur d'être hype pour un jeu de NES quand c'est Adventure of Lolo. Oui, c'est le fun, là, mais... Ben,
Je vais faire l'avocat du diable, puis je vais dire que moi, je m'en sers souvent de Nintendo Switch Online, surtout quand j'ai mes breaks de 2 heures, ça job. Qu'est-ce qui se passe? Pas ça bien? Le point, man. J'ai joué à une couple de jeux. Laisse-moi finir, non. Sacrement. Merde! Moi, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir les jeux d'NES de même, genre surtout Star Tropic. Les jeux de même, comme Zelda. T'as les Zelda, les versions SP, les versions spéciales des jeux qui sortaient. C'est mais cool d'avoir ça on the go. Ça, c'est encore pas pire, mais un jeune, là, es-tu intéressé par ces cochonneries-là, lui? M'en sac! Je sais! Pas pour ce qu'on vaut, moi! Je sais! Pas sûr que je comprends la référence. Mais je pensais que. Mais je veux dire. Je vais fermer ma gueule. Tu sais, la Switch, on, le monde parlait souvent tout, c'est un public peut-être plus jeune. Puis là, t'arrives avec des vieux jeux de même que. Faut que tu fasses un effort pour apprécier, là. Tu fais pas un effort. Moi, ça me tente de jouer à Star Tropic. Oh, ouais, mais quand le kid, là, pense que c'est quoi ce Bakuklurlen? Tu lui présentes ça, man, il va te fermer ça, ça va prendre 3 secondes d'écart. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Si on parle. C'est nous autres, on est un peu rétro. On est plus que rétro, on est nostalgique et tout ça. Ouais, peut-être que ça peut correspondre à nos besoins, mais je peux mettre ça pour le monde qui commence, qui se lance dans le milieu, oublie ça. Il n'y a pas un chat qui va jouer à ça. Il va faire comme un Atari. Il va mettre la cassette, il va l'essayer, il va changer la cassette, puis ça va fermer direct là. Yeah, je peux comprendre d'un point de vue marketing, d'un point de vue d'essayer de vendre, c'est pas super bon comme tactique, sérieusement. T'sais, ça l'appelle aux personnes comme nous, mais comme tu dis aux jeunes, c'est pas à cause de ça, pas à cause des jeunes, je pense, qu'ils vendent des Nintendo Online Subscription. Ils savent, je pense. Ils savent comme, que c'est les plus vieux que jouent à Smash. C'est les parents qui payent. Mais comme je te dis, moi, ça n'a pas rapport avec la qualité des jeux qui sont là. Les jeux qui sont là, fine, tant mieux. Puis il y en a auxquels j'ai joué dessus, il y en a que j'ai fini. Puis tant mieux s'il y en a auxquels tu joues, man. C'est juste que je trouve que l'offre au niveau quantité. Puis qualité versus quantité, je trouve que c'est faible. Ah oui, non, gars, ça, je peux pas. Là, j'ai rien à dire pour défendre ça de ce côté-là, je suis très d'accord. Puis, parle-nous donc de la qualité de certains serveurs, puis du multiplayer, tant qu'à y être, hein? C'est, ouais, ça, c'est là que ça casse encore plus, parce que ton gros jeu online qui devrait être Smash offre une expérience un peu déficiente quand même. On a joué toutes les deux, Max. Même quand tu fais une arène avec du monde qui sont proches géographiquement, il y a moyen d'avoir du lag pareil. Ça prend quasiment des conditions pour que ça marche bien. Il faut que lui. Fasse beau dehors. Lui qui host, premièrement, il faut qu'il y ait un adapteur LAN qui soit branché en fil. Parce que si tu hostes avec quelqu'un qui est wireless et que sa connexion a un peu de fluctuation, ça marchera pas beaucoup. C'est quelque chose qui m'insulte, Borderline, ça, que t'as besoin d'acheter un adapteur LAN pour que leur online marche comme du monde. Nintendo fait ça depuis longtemps, là. Parce qu'il n'a pas sa Switch, le port de base. Ah. C'est ça. Un, que le Wi-Fi marche pas comme du monde, c'est déjà problématique. Deux, que tu me dises qu'il faut que j'achète un adapteur parce que c'est trop cheap pour avoir mis le port LAN sur ta console, ça aide pas. La Wii U, c'était la même affaire. J'étais arrivé à l'université quand j'ai acheté ma Wii U toute fière en 2013. J'arrive pour la brancher. Mon seul jeu que j'avais, j'ai acheté le bundle avec Wind Waker. J'étais tout content. J'avais pas vu que le jeu était downloadable only. Puis la Wii U se branchait pas sur le réseau de l'université parce qu'il est sécurisé comme de la merde. Fait que je pouvais même pas downloader mon premier jeu. Il y avait pas de port LAN. Il a fallu que j'aille chez Rouli après avoir acheté ma console pour downloader Zelda. Mais Nintendo a toujours traîné un peu dans ces espèces de gimmicks-là. Ça a été de la barde. Moi, la première fois que j'ai été un peu scandalisé, c'est quand il fallait que t'achètes ton putain de Rumble Pack pour jouer à Ocarina of Time. Je sais pas si t'avais connu ça. Hey, l'expansion pack pour jouer à Majora's Mask, c'est encore pire. Des petites niaiseries. Même là, tu me parles encore d'une un adapteur pour faire une connexion plus stable. Je l'ai pas acheté, là, cet adapteur. Le Link Cable pour trader à Pokémon. Ça a tout à fait de même, mec. T'sais, vous me direz que c'est malhonnête ce que je fais, mais je l'ai pas acheté l'adapteur, puis je prends pas la responsabilité quand ça arrive. Ouais, mais là, voulez-vous qu'on en parle? Oui, c'est peut-être de ma faute des fois, là, mais c'est de ta faute, le père. J'ai de la misère à accepter la responsabilité. Chris de radin. Hey, là, vous allez arrêter de chialer après Nintendo, parce que c'est pas rien qu'eux autres qui font ça. Sony, là, Sony avec leur multitap, comme Sony les crosseurs, au moins ça prend pas de multitap pour jouer à 4 au 64. Ouais. Oh, on vit loin dans le passé. Pareil, ça a tout à été de même que pour jouer à Move, ça prenait deux accessoires de marde aussi, même affaire. Guilty as charged. Ouais, mais je pense chose. Que Sony se sont inspirés de Nintendo pour le concept beaucoup de gimmick. Sony arrête pas de copier Nintendo tout le temps. Tout le temps, mais en plus médiocre.
Je pense qu'il y a eu l'update 3.0 de Smash il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui espérait des grosses updates dans l'online. C'est pas venu. Puis c'est parce qu'à côté, t'as l'exemple de Splatoon, qui est un jeu de Nintendo où ça roule super bien. Il n'y a pas de problème avec Fortnite. Il n'y a pas de problème avec Rocket League. Il n'y a pas de problème. Même Mortal Kombat, qui est dégueulasse à Switch, alors que l'online roule bien. Propre serveur. C'est ça. Faut qu'à un moment donné... C'est quoi? Ils ont le choix d'avoir leur propre serveur ou est-ce un serveur générique? C'est peer-to-peer, je pense. C'est à cause que Smash Bros, c'est les serveurs de Nintendo puis qui marchent beaucoup en peer-to-peer, qui marchent avec la connexion de toutes les personnes, tandis que... Rocket League, Splatoon ont ce qu'on appelle des dedicated servers, des serveurs dédiés. Un peu en... Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avec Smash? Ben parce que je sais pas, man, c'est Nintendo, Smash est à Nintendo, c'est eux autres qui font les serveurs, puis je sais pas pourquoi ils sont sur le peer-to-peer, j'ai aucune crise d'idée. Ça va être moins cher. C'était un jeu qui avait pas beaucoup de joueurs, je pourrais comprendre. Hey, peer-to-peer, là, c'était Kaza dans le temps. Kaza? Puis LimeWire, puis Napster, Morpheus. Si c'était pas ton plus gros jeu online, ce serait correct d'être cheap. Là. Ouais. Puis tu sais, je pense que... Puis même, le lag, le monde pourrait passer par-dessus si le quick play, je pense, était mieux fait qui est là aussi. Ça, tout, c'est pas merveilleux dans Smash. Là. Le quick play te match souvent... Depuis que je fais juste des 1 contre 1, c'est moins pire, mais quelqu'un qui cherche un 4-player Smash peut se ramasser dans un 1 contre 1. Des fois, je cherche des 1 contre 1 sans item, je me ramasse avec des matchs par équipe à item. Ouais, mais fais rien que des arènes. Moi, je fais rien que tout le temps des arènes. Ouais, mais quand t'es tout seul, faire une arène, ben c'est oui, talent. Tu te rentres dans une arène de quelqu'un que tu connais pas, tu vas avec eux autres, puis tu joues avec eux autres. Hein? Comme le monde font quand on crée notre arène. Non, je sais. Tout le temps des nowhere qui viennent. Je sais que c'est la meilleure solution. Là. Ben oui, c'est le best. Mais tu sais, en même temps. Faut que tu bypasses un peu. C'est que le fait que la meilleure solution, ce soit de pas utiliser le système que Nintendo a mis en place pour qu'on joue online, c'est. Mais ça en pas. C'est weird, là. Comment tu sais, il poussait le GSP puis tout ça, puis c'est devenu un système qui est pas merveilleux, là. Non, c'est atroce, c'est le GSP. Tu peux passer d'un... Je pense que Elite Smash est autour de 4,3 millions en GSP, là, plus ou moins. Un GSP, c'est quoi, désolé? C'est ton score de joueur, Global ton Smash ranking. Power. Mais tu sais, tu peux passer littéralement d'un score de 3 millions à 800 000 en 4 games, à peu près. Fait que ça veut dire que ça calibre le jeu, en théorie. Là. En théorie. Calibre. Mais c'est fait d'une façon comme... C'est un exemple dans Smash, tu perds contre quelqu'un, que les matchs sont serrés, tu devrais vouloir faire des rematchs, tu vas t'améliorer, même si tu perds, si le match est serré, ça va être le fun pareil. Mais là, tu perds contre la même personne deux fois, trois fois, ben, t'as un chiffre random qui continue à descendre, que ça fait plus... Ça encourage pas les gens à continuer, je pense que ça encourage à quitter après que t'aies perdu une fois. Rocket League est amanché de même aussi, un peu avec les ranks puis tout ça. Pis... C'est moins décourageant un peu. C'est ça, Rocket on League. Joue avec du monde qui sont comme un peu de notre niveau. Je pense que ça serait mieux, tu sais, juste des rankings. Puis oui, si tu perds tant de fois ou si tu gagnes tant de fois, tu montes ou tu baisses de rank, mais là, la fluctuation est tellement importante d'un c'est match ça. À l'autre que c'est décourageant. C'est un peu ça qu'ils ont essayé de faire, mais comme tu dis, c'est qu'on passe de je sais pas comment, de millions à 800 000. Mais faire comme les joueurs de tennis un peu, là, tu gagnes contre le premier, là, ben, tu montes flouf. Ben, c'est surtout ben, pour quelqu'un qui commence, là, comme tu sais, je suis même pas proche de Elite Smash, puis d'être dans les pros, mon main, je le tiens entre 2 et 3 millions d'habitude, mais j'ai 3.5 avec Zelda, étrangement. Je me tiens en 2 puis 3, mais comme je dis, je peux tanker en bas d'un million à 800 à 500 000 facilement. Puis, quelqu'un qui commence, ça doit être décourageant de voir le chiffre baisser sans arrêt. Hein. Ça n'encourage pas, dans le fond, le... Bon, c'était la mon, poursuite. C'était mon rant sur Smash Online. Bon, sur le online, t'as-tu d'autres points sur le online? Ça conclut-tu ton bloc un peu? C'est ça, je voulais juste renter un peu vu que maintenant ils nous demandent de payer. Donc C'est vrai que c'est beaucoup de monde disent que c'est un paywall un peu plus qu'un service pour le monde. Ils ne savent pas c'est quoi un paywall, c'est un mur qu'ils ont mis parce que pendant un bout on avait le service gratuitement. Puis à partir d'une telle date, ils ont dit ah ben là, faut payer 5$. Fait que là, ils l'ont locké en arrière d'un mur, ils l'ont comme barré en arrière d'un paiement. Et c'est plus ça un peu qu'ils nous offrent qu'un service, puis ils nous tiennent un peu en otage parce qu'on n'a pas le choix si on veut jouer à Smash. C'est ça, puis si le service était offert de façon adéquate, je pense que ça serait. On peut quand même souligner que c'est pas mal moins cher. On peut souligner ça. On pourrait. Oui, mais. C'est pas mal moins cher que les autres. C'est une excuse pour avoir un service qui est. Non, non. Il vaut mieux payer puis avoir de quoi de qualité. C'est pas une excuse pour la médiocrité, mais ça peut quand même justifier le fait
qu'il y a moins de jeux, qu'il y a moins d'affaires, que contrairement à PlayStation Plus, qui coûte quand même relativement plus cher, mais... Non, c'est pas une excuse pour la médiocrité, je veux pas dire ça dans, dans ce sens-là. Ça y est pas cher, mais t'as pas grand-chose du tout, là. Ben, c'est ça, t'as Smash, t'as pour, tu veux jouer à Smash, ben t'as Smash, man, pis c'est pas mal ça. C'est comme t'acheter tes chaussures chez Yellow. Quoi? Ça dure le temps que ça dure. On va fâcher du monde comme à Radio X ce matin que... Dan Gravel, il disait que Fortnite, c'est un jeu de métro sexuel parce qu'il vendait des skins puis que c'était toutes des affaires apparentes puis que ça jouait pas sur le gameplay. Ça fait longtemps que c'est ça. Puis après ça, Larry, qui disait qu'il était content que ce soit du monde blanc dans les livres d'anatomie. Oh. Je sais pas, mais tabarnak, ça va bien un matin, man. Ah, c'est pour ça que j'écoute pas Radio X. C'est une belle journée. Il creuse deux tombes un peu. Ah, continuons, c'est quoi? Ouais, ton, on va continuer avec mon sujet philosophique. Là. Attends, j'ai de quoi? Je pense que quand t'entends des cheaters, tu réagis un peu comme ça, mon mec. Vas-tu faire ça? Stay back! Mais on avait discuté un peu sur notre blog de discussion de Facebook. On a quand même un groupe là, qu'on discute de nos shit avant de faire nos émissions, etc., etc. Puis là, souvent, moi, j'arrive, oh, c'est une gang de tricheurs. Puis là, moi, j'ai comme philosophie, il faut que je travaille. Je m'écœure tout le temps parce que je prends des walkthroughs. Moi, j'ai vraiment une philosophie dans ma vie. Effort, récompense. Quand tu travailles, tu obtiens ce que tu veux. Puis... j'adapte ça, ouais, peut-être que je fais une déformation avec ma vie normale, puis le jeu vidéo, puis je mets ça dans mes jeux vidéo, puis je veux pas aller voir les walkthroughs, je veux pas cheater, je veux pas glitcher le jeu volontairement, je veux pas... Il y a plein de trucs de même qui... Oh, dans attends, ma tête, attends, un glitch, c'est pas la même affaire qu'un cheater, là. Y a, c'est ça, ça dépend. Y a un glitch connu, comme à un moment donné, la page, tu disais, si tu glitches un jeu pour battre un boss, si ce glitch-là, il est connu de tout le monde, c'est un cheat. Ben, si non, tu découvres le glitch toi-même, ça, c'est de l'effort. Moi, j'aime mieux le voir autrement. Mettons que le glitch demande une manipulation particulière, genre que t'as besoin de talent là, pour le faire, parce que tu fais certaines manœuvres, puis si tu le fais à la bonne place au bon moment, tu vas clipper dans le mur, puis là, tu vas passer, puis tu vas passer tel niveau. Puis là, man, c'est dur, là, clipper ça, ça prend quand du même, temps. Quand puis même, quand tu fais les speedruns, ouais, faut pas ça, c'est des affaires de speedrun rendues là, pas mal. Moi, je suis pas d'accord avec rentrer les glitches là-dedans. C'est pas comme faire, oh, je suis tanné, je m'en vais sur Mais on sait tout, comme, tu sais, j'ai joué à Final Fantasy 2, tout le monde sait que le jeu est supposément broken. Oui, mais moi, j'ai pas broken le jeu. Pourquoi non, il est broken, le 2? Ça, tu parles tu peux t'auto-mutiler puis genre grimper tes stats. Parles-tu du vrai 2? Du vrai 2, vrai 2, okay. Final 2. Okay. Je l'ai fait sur PSP. Je pense que Pro Jared n'avait parlé. Puis tout le monde, tout le monde dit que le jeu est broken à cause que tu te fesses dessus puis tu montes tes stats. Ouais, je me souviens mais de ça. Moi, j'ai fait exprès pour pas faire ça, mais je l'ai broké d'une autre façon. Mais tu sais, j'avais comme un peu plus de valorisation. Là, tu vas me dire que j'ai un complexe d'infériorité. Ouais, moi, je pense je vais amener ma théorie plus tard. Rentre pas là-dedans. Mais tu sais, je l'ai broqué pareil, mais d'une autre façon. Mais tu sais, j'étais comme content pareil. Je me suis dit, ah ben, crème, bon, moi, j'ai pas fait comme tout le monde fait. Fait que, bon. Ça, c'est les encouragements que j'ai souvent là, de mes collègues. Mais. C'est quoi ça? Continue. Hey, man, tu me déconcentres. C'est dégueulasse. Mais un autre complexe que j'ai, c'est. Checker les walkthroughs pour un RPG. Je sais que le page, tu me dis, tu t'en sacs un peu. C'est un à peu différent heure. Pour les RPG encore, parce que c'est pas comme un platforming, ou tu sais, c'est de quoi qu'il faut que des fois que tu graines, il faut que tu fasses tes levels. C'est toi le pire, en gros, si tu veux faire un walkthrough, parce que tu te graineras pas, puis à la fin, tu vas frapper un mur assez vite. Non? Moi, j'ai plus de patience. Ben ouais. Quand j'étais jeune, je pense que j'étais plus du même avis un peu. Mais à cette heure, quand ça fait 15 minutes que je suis collé sur quelque chose puis je trouve pas la réponse, on dirait que je sors mon téléphone puis je le google. Là, j'ai plus la patience, on dirait. Ah, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai des problèmes finalement. Ou... Hashtag TOC, là, je sais pas. Non, Max, il est en train de un peu de me tirer de son côté. Là, j'essaie de. C'est le moment de dropper ma théorie? Je sais pas. Moi, j'ai une théorie de pourquoi que Mick agit comme ça.
je pense que un petit complexe d'infériorité, tu sais, il veut tellement pas, il faut qu'il se prouve tout le temps, tu sais, sinon il va se penser un peu inférieur, fait que lui cheater, ça marche pas, tu sais, faut que tu le fasses toi-même, Mick. Ouais, ouais, mais je pense que c'est une il y a un trait de personnalité peut-être de entêté. Est-ce que je pourrais rephraser ça d'une manière plus flatteuse un peu? Ouais, fais-moi un euphémisme, s'il te plaît. Je pense que c'est parce que t'as beaucoup de fierté. T'as de la fierté, puis t'aimes ça te prouver, puis faire ce jeu-là, je l'ai fait tout seul! J'ai pas été voir le War True. C'est peut-être une affaire plus de fierté, peut-être aussi. Ça pourrait marcher. Je comprends un peu ce que Mick dit. Il y a un sentiment d'accomplissement qui vient à trouver la solution tout seul. Parce que prenons un exemple comme Dark Souls. Si ça te prend 40 fois battre le boss, mais que tu finis par le battre legit, tu vas avoir plus de sentiment d'accomplissement que si tu vas sur YouTube, tu trouves une façon de le cheeser, puis que tu le bats en 3 minutes. Là. Ah, oh! Pourquoi tu dis cheeser? Cheeser, c'est trouver une technique. Exploiter les mécaniques du jeu. Pendant que je faisais le montage l'autre coup de l'épisode, j'étais là. Est-ce qu'il voulait dire cheater? Puis il a dit cheeser. Non, c'est un autre terme, ça, tu sais. Oui, c'est ça, je me demandais en faisant le montage de l'autre épisode. Cheeser, c'est littéralement exploiter une mécanique qui est dans le jeu qui permet de faire quelque chose qui devrait être dur, mais facilement. Ça peut être, mettons, je sais pas, une attaque qui se donne moins qu'un boss, c'est ça. Un poignet, coincer quelque chose dans une porte ou ça. Capable de stun lock puis jamais arrêter. Ben ça, je trouve ça intéressant. Si tu le trouves toi-même, mais comme tu dis, si tu vas voir quelqu'un qui te dit toutes les failles du jeu puis tu fais ça, comme nous autres, on avait fait Control Corpse, puis il y a des places qu'on cheese le jeu finalement. Mais ouais, ça c'était du cheesage, mais t'as pas le choix, c'est abuser de la mécanique, puis c'est ça le but du jeu. Je pense que les développeurs, c'est ça qu'ils veulent dans le code Contra, c'est qu'ils créent ça volontairement pour faire, ok, si tu catches, c'est ça que tu vas faire, parce qu'il y a tout le temps un moyen de battre les boss, et ils font exprès. Il faut bien que tu le catches. Oui, il y a une nuance, il y a des fois que, comme tu dis, je pense que c'est voulu, puis c'est programmé qu'il y a une façon plus facile, effectivement, de battre les boss, ces affaires-là. Les jeux rétro sont souvent des bons exemples de ça. J'ai un exemple de ça. Mais il y a des fois où c'est vraiment exploiter quelque chose qui n'est pas voulu, là, qui te facilite. Ben, juge, tu te souviens-tu le boss où c'est un genre de pont qui descend pour le monde qui ont joué à Contra Hardcore, c'est peut-être au troisième... Troisième tableau. Il y a un boss qui il ressemble à une mouche, puis il tire un genre de laser, soit à gauche ultime ou à droite, et tu suis tout le temps. Genre, dans le fond, il y a une tête chercheuse. Puis le truc qu'on a trouvé, c'est de se mettre au fond de l'écran à droite. Sur un petit pixel. Il y a un pixel d'une latte du pont qui dépasse. Puis notre chum de gars, Wonder, il a remarqué ce pixel-là. Puis on peut se tenir dessus. Puis quand t'es dessus, puis tu sautes tout le temps, les balles, là, on dirait qu'ils tombent dessus. L'animation, jamais. Mais c'est programmé pour pas pogner ce pixel-là. Fait que j'ai pas le choix de croire que ce pixel-là, il est fait volontairement. Mais c'est le truc pour battre le boss. Je considère pas ça, par exemple, du cheating. Ça. Okay, bon, ça, au moins, on s'entend. Mais ça, c'est-tu du cheesing? J'ai de la misère à juger dit de même. Ça a l'air d'être programmé de même, donc je penserais pas. Non, hein? C'est un exemple rétro que je pense, c'est... le boss dans Mega Man que t'es capable de battre en envoyant un projectile pendant start, qui accumule des dommages. Là. Ça, ce serait un exemple. Ben, là, ça, j'ai pas mot dire, c'était assez cave pour programmer le jeu de même, mais tout bad. Hein? C'est un exploit, mais souvent, c'est des oversights. C'est un exploit qu'on appelle ça dans le langage, je pense. Je pense. Mais sinon, cheater pour donner une deuxième vie à nos jeux, des trucs de même, ça, je me répète. C'est correct, là. Veux dire, le monde, ils disent, ouais, mais tu cheatais, toi, Roche. Le monde se rappelle de ça, c'est-tu, comme si. C'est vrai, tu t'étais fait remettre ça d'en face. J'ai cheaté peut-être une fois, Calis, là. Ah, il y a le monde, est-ce dans. À quoi? À quel jeu? Roche 2, Extreme Racing USA. Là, Mick, là. Mais je veux dire, j'ai triché peut-être une fois dans ma vie, hostie, puis je me fais mettre ça sur le nez à chaque fois. Ouais. Alors que tout le monde dans la société, ça triche à gauche puis à droite, puis pas juste dans les jeux vidéo. Donne-nous donc ton autre théorie, là. C'est quoi ça fait quand tu triches dans les jeux vidéo? Ben, c'est ça pareil. Tu sais, là, si tu triches là, tu vas tricher dans d'autres facettes de ta vie. Bon, OK, je vais voler, je vais tromper ma blonde, toutes des affaires de même. Comme on parlait tantôt, cheeser. Pauvre Lepage, il est là, il doit... Non, je t'écoute, puis je prépare une contre-attaque. Comme on parlait de cheeser ou des affaires même, qu'est-ce qui est comme zone grise? Là, regarde, peut-être que je vais être vulgaire, mais pour certaines personnes, que se faire sucer, c'est pas tromper. Hey, là, à m'amener tabarnache, là.
Oh yeah! Oh yeah! Comment tu dirais, mon fidèle? Exact. Mais c'est ça, pour nous revenir. Mais pourquoi mettre des heures d'effort si je peux arriver au même résultat en 10 minutes? Oh. Ben ouais, regarde, moi je pourrais me coller une pute, asti. Ça, c'est une attitude de gauchiste. Oh, peut-être qu'on va coûter ce truc-là. Ouais, non, ouais, je pense, ouais, moi, mais... j'ai deux cases. Je sais pas, moi, je, comme il y a un sentiment d'accomplissement que je vais retrouver dans le jeu vidéo qui peut-être n'est pas sa place en tant que tel. C'est peut-être moi qui ai un problème. Là. Pourquoi je m'accomplis dans un jeu vidéo? Je pense que j'ai pas la même relation avec ça, avec toutes les sortes de jeux. Un RPG, comme tu dis, j'aurais pas tendance à checker un walkthrough ou les affaires de même, parce que c'est tellement basé sur l'histoire que là, j'ai peur que je vais me spoiler, puis dans un RPG, je veux éviter ça le plus possible. Mais un genre de Metroidvania où ça fait 20 minutes que je suis pogné, que je sais pas où aller, ouais. À un moment donné, je vais me tanner, puis je vais checker un walkthrough quelque part. Il y avait une époque que j'étais confronté à deux philosophies. Je voulais être compétitionniste, puis pas tricher. C'était difficile, ça. C'était très difficile. Puis là, j'aurais pas pu faire du vélo. Comment t'as dit ça? T'aurais pas pu faire du vélo. Ouais. T'as rappelé que je me pique, man. Tu peux pas faire du basic au niveau compétition, puis pas tricher. C'est non possible. C'est ça qu'on a appris, v'là pas long. Mais, fait que là, je penchais toujours vers le compétitionniste. Souvent, je voulais avoir faire mon jeu à 100%, des affaires même. Fait que là, je m'étais mis à faire mes jeux avec des walkthroughs back-à-back, là. Oh, what? Qu'est-ce qu'on vient d'enregistrer, là? Ah ouais, ça va jeune. Être sound clippé, ça, mon cher Yvon. Mais je prenais j'allais chercher le walkthrough, puis je faisais mon jeu. Fait que là, je savais qu'en arrivant à la fin du jeu, j'avais tout. Mais là, je me suis rendu compte, Chris, que c'est de la merde. Parce qu'à un moment donné, là, tu fais juste. Attends. Ouais, on va faire la référence à des jeux comme. Mettons Assassin's Creed, là. Ça devient littéralement, tu suis un waypoint, puis. Objectif A, je fais l'objectif A, puis là, le waypoint s'en va là. Là une manière, tu réfléchis plus, là, tu sors ton walkthrough, t'exécutes. Point 1, point 2. Ça, c'est pas cool. Moi, comment j'aimais ça, là, c'était pas comme tu parles, mon Lepage. Moi, qu'est-ce que je faisais? C'était surtout à Zelda. Zelda, j'achetais souvent le walkthrough en même temps que je pognais le jeu. Surtout des fois, t'avais. Tu parles des guides papier, là. Ouais, le gros walkthrough, ouais, officiel. Puis je les ai toutes, eux autres de Zelda. Mais moi, ma devise, qu'est-ce que je faisais, c'est que je fais le jeu au complet, sans le walkthrough, peu importe comment longtemps que ça va prendre, pendant que Mick ouvre sa bière. Et aussitôt que j'ai fini, là, pour faire tous les corps de cœur, toutes les gold sculptures-là, puis toutes les side quests, là, je prends mon walkthrough, puis je m'amuse, parce que là, je vais faire des sessions que je m'assis, puis je vais chercher toutes les masques à Majora. Je pense que c'est une belle entre-deux. Ça, j'aimais ça, faire ça, puis j'ai aucun regret là-dessus. Je l'avais fait pour Saint Andreas, avec des graffitis, puis ces cochonneries-là. C'est ça que je suis en train de faire avec Witcher 3. J'ai acheté justement le gros guide papier de Witcher 3. Je l'ai fini une fois au complet. Là. Je le recommence, je vois tranquillement. Je suis le guide pour ça. Plusieurs affaires que j'ai peut-être manquées ou je vais essayer des options différentes. Oui, pour refaire un jeu, je trouve que c'est une façon intéressante. Ça donne de la rejouabilité. Yes. Tu connais déjà l'histoire. S'il y a des plot twists dans l'histoire ou whatever, tu connais déjà. Fait que tu te spoileras pas. Puis ça te permet de trouver toutes les petites affaires, les détails, les side quests qui sont un peu cachés pis ces choses-là. Oui, ça peut être intéressant dans un cas de même. Bref, yes. Le cheating avec modération. La modération a bien meilleur goût. La modération a bien meilleur goût. C'est Homer Simpson ça, qui swing le gars en sortant des AA en disant ça. Fait que Max... Oh yeah! Dernier sujet un peu de YouTube drama pour faire ben, ça. Là, on a une petite intro avant de commencer tout ça parce qu'on rentre dans quelque chose. Avez-vous une bière, premièrement, à la maison et ici? Si t'en as pas une, mon Lepage, je vais t'en chercher une parce que ça commence. Toi, t'es-tu correct? Ouais, je suis correct. Toi, à la maison, oui, toi qui écoutes en ce moment, va te chercher une bière, même si t'es à job. Vas-y. Hey, c'est un peu Jean-Marc Parent-style, ton affaire. Hey, on flasse nos lumières! Ouais. Je break the fourth wall, man. Le quatrième mur, c'est fait. Et je vais partir avec cette intro. Why is
What's up, Drum Alert Nation? I'm your host, Killer Keemstar. Let's Keemstar. Get right into the nudes. Oh yeah, into the nudes, la gang, parce qu'il est arrivé un gros fucking shit show dans le monde du gaming pendant qu'on a notre collègue qui vient écouter notre podcast avec nous, Mr. GF, bonjour. Bonsoir. GF qui est le plus grand fan de YouTube Drama. T'arrives pendant le meilleur bloc. On parle de YouTube Drama. Ben, pourquoi premièrement je dis welcome back into the nudes? The nudes parce qu'il y a un gros YouTuber de jeux vidéo, Pro Jared, qui était avec Normal Boots, un gars que j'écoutais. J'avais, je vais en parler tout de suite, j'avais un rituel, moi, à chaque Woodstock. Quand j'arrivais de Woodstock, je me couchais ici, puis j'écoutais des Pro Jared. C'était mon rituel. J'ai découvert ça pendant un lendemain de Woodstock. Ses vidéos ont popé, j'ai vu sa face de poisson. Je me suis dit... C'est plus une figure de perruche qu'il y a. Ben, je sais pas, mais il est lait en tabarnak. Est-ce que tu suivais son Tumblr? Non, laisse-moi finir mon anecdote. Bref, j'ai trippé là-dessus beaucoup. Et ça l'a été. Et Criff, il m'a fait découvrir beaucoup de YouTubers, lui, quand j'ai tombé sur celui-là. Il était plugué. Moi, je m'en rappelle d'avoir écouté des vidéos avec toi aussi. On écoutait du AVGN, on écoutait Pro Jared. Jared, John Tron, qui était dans Normal Boots aussi. Il était plugué avec Normal Boots. Il y a genre 5-6 YouTubers, puis Nut Butter Gamer. Il n'y a pas de Skeleton, je sais pas trop quoi. Stop Skeleton from Fighting, non, ça c'est RetroWare. C'est, okay. Ça en est un autre. Brutal Moose, je pense, c'était là-dedans. Ouais, Brutal Moose était là-dedans. Bref, beaucoup de gros noms. Et là, il y a un scandale qui est sorti le 9 mai. Tout ça a commencé quand Pro Jared a eu la brillante idée d'annoncer son divorce sur Twitter. Okay. Après avoir bloqué sa femme, parce que ben, sa femme, son ex maintenant, bref, elle n'avait même pas vu l'update, puis elle a posté parce que tout le monde la taguait, puis disait « Hey, t'as-tu vu ce que Pro Jared a posté? » Blablabla. Il avait fait une grosse lettre en disant que par mutuel accord, les deux ont décidé de se divorcer, puis que ça allait être mieux pour la vie privée de Heidi, qui est sa femme qui est divorcée. C'était mieux de pas parler de ça, puis que tout le monde allait entendre beaucoup de rumeurs et beaucoup de gossip, et qu'on ferait mieux de joindre nos propres conclusions. Ok. Eh bien, mon cher Pro Jared, on les a joints nos propres conclusions. Il était genre en damage control un peu. Là, ouais, mais là, c'est ça. Fait que là, il a fait à croire que c'était... C'est... Ouais, vas-y. Ben, je voulais te laisser finir, là, mais... C'est son damage control qui a lancé le shit show. Ben oui, ben c'est ça. Oui, puis surtout qu'il dit que c'est de mutuel accord dedans, puis qu'il a bloqué Heidi, puis que Heidi, quand elle apprend ça, comment vous pensez qu'elle sent être en beau tabarouette, là, elle, là? Fait qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait à part en mode blood? Là, elle veut du sang, la tabarre. Puis là, elle est fâchée. Fait que là, elle fait un premier tweet en disant... En taguant Pro Jared, en disant « Je viens d'apprendre que mon mari Pro Jared a fourré cette fille-là, Holly, oh, je sais pas trop quoi, les deux étaient tagués dans mon dos depuis des années. » Ben, il aurait-tu juste se fermer la gueule? Oui, oui, mais c'est le début du shit show, c'est le début. Tout ça, ça serait jamais arrivé si c'était fermé à la gueule. Exactement. Ça fait juste commencer. Donc là, le monde, là, quand il faisait ça, là, lui, il était à 1 033 000 abonnés. Donc, la nuit passe, on est la nuit du 9 mai, ça continue. Mr. Medicare fait un live là-dessus 2 heures après, quand il prend vent de tout ça, il lisait les tweets live, on l'a écouté, moi puis le page, c'était-tu pas pire? C'était cool, là? C'était divertissant. C'était cool. Mr. Medicare, là, quand il fait un live, c'est normalement entre 15 000 et 25 000 personnes live qui le regardent. Donc, aussitôt qu'il est parti son live, ben là, le monde se sont mis à se désabonner en masse. Heidi était pas, elle a pas fini. Elle était, she's out for blood, man. Fait qu'elle a continué à parler. Elle a fait des tweets non-stop. Elle a dit qu'elle a tombé sur un des vieux cellulaires de Pro Jared où elle a trouvé toutes les conversations et les nudes envoyés par Pro Jared et par Holly. Donc, c'est une archive. Ah oui, man, c'est sur Twitter. Si vous voulez les liens, venez me voir. J'ai tous les liens. Allez voir les vidéos de Mr. Medicare. Ça va être correct. Là. Je vais peut-être pas les voir. Attendez, là. C'est le début du shit show. C'est loin d'être terminé. Ça continue. Là, elle apprend finalement. Il y a du monde qui la tag sur Twitter. Un moment donné, ils disent... que ça fait depuis longtemps qu'ils sont dans un Snapchat et dans un Tumblr de Pro Jared qui se sert pour ses nudes.
Et elle dit qu'elle était au courant. Au début, c'était une joke après une vidéo pour le body positivity, pour que le monde montre leur corps et dise que je suis fier de mon corps pareil. Puis finalement, ça l'a tourné vraiment sérieux. Il s'est fait sa propre compte Snapchat, sa propre compte Tumblr. Et là, il demandait des nudes de tout le monde, des fans. Il montrait son pénis à tout le monde, même sur Tumblr. C'est un genre de blog. Fait que quand t'avais accès au Tumblr, t'avais accès à plein... Oui, sa graine, vrai, ouais, sur Tumblr. Oui, oui, t'avais accès à toutes les photos de la graine puis de Pro Jared dans des poses vraiment bizarres. Ça, ça me surprend que ça n'ait pas créé un scandale avant. Depuis 2016 que ça roulait, ça. Et finalement, c'est pas fini. On a découvert d'autres photos. Je sais pas si c'est Heidi qui a leaké ça ou des fans qui ont trouvé ça sur le Tumblr, mais paraît-il que Pro Jared était dans le cross-dressing de Sailor Moon. Beaucoup ben ouais, de, ça, tu beaucoup d'images de lui déguisé en Sailor Moon avec les jambes écartées, puis une jupe, puis qui est vraiment bizarre après que tu aies regardé son vidéo sur le jeu vidéo Sailor Moon, qui dit que sa préférée c'est Sailor Neptune, puis il est déguisé en elle. Quand tu regardes ça, j'ai laissé un commentaire, j'ai dit « In hindsight, it's pretty fucking weird. » Ouais, fais ce que tu veux, mais peut-être mais les pas envoie-les pas à tout le monde, tout ça. Puis là, c'est pas fini parce que là, il y a d'autres fans qui ressortent. Puis là, il paraît-il qu'il y a des fans underage qui ont été sollicités par Mr. Pro Jared. Fait qu'on pourrait peut-être voir prochainement des accusations droppées sur Mr. Jared. S'il a reçu ça, c'est de la possession, de la distribution. Je retrouve pas le tweet de son ex-femme. Non, tout a été délité. Non, mais il y en a encore beaucoup qui sont là, mais celui que je cherche a peut-être été délité. C'est lequel? Parce qu'elle s'adressait à l'autre fille, puis qu'elle disait... j'ai vu tes nudes. Sur les nudes que j'ai vus, t'as l'air pas mal déprimé. Peut-être que ça aiderait ton estime de soi si tu fourrais des hommes qui ont pas déjà une femme. Oh, oh man, ça brosse. C'était sauvage. Mais là, ça fait que ça l'a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de regards un peu négatifs puis de mauvaise publicité sur tout le monde qui est associé à Pro Jared. Et hashtag ouais, Normal mais... Boots. Attendez. Normal Boots, c'est la compagnie qui hostait Pro Jared puis qui diffusait ses vidéos. Et paraît-il que beaucoup de personnes ont parlé à Normal Boots qui ont dit qu'ils allaient s'occuper de la situation. Ouais, ben ça, Normal Boots ont fait un statement officiel. Ben, oui, vous irez voir le dernier stream de Mr. Medicare, il est détruit. Le community manager, je pense, de Normal Boots dit que ça fait une couple de semaines qu'il était au courant puis qu'il était déjà à... il y avait déjà des démarches avec leur équipe légale pour sortir Pro Jared de là, puis que les autres créateurs étaient probablement pas au courant. Ça ne surprendrait pas. Là, Game Grumps ont tout délité ce qui avait rapport avec Pro Jared, parce que Pro Jared a scrappé un mariage. Qu'est-ce que la fille qui a cheaté avec elle, que lui et Pro Jared s'envoyaient des photos, elle puis Pro Jared, ben, elle sortait avec un gars de Game Grumps avant, qui est le groupe. Fait qu'ils ont scrappé un mariage. On brise un ménage. Deux ménages de scrappé. Un vrai scandale. En plus, là Normal Boots perd beaucoup d'abonnés, comme un peu, vous vous souvenez de That Guy with the Glasses dans le temps de Jew Wario. Jew Wario, v'là pas long, il y avait eu des allégations de viol qui ont sorti. Channel Awesome, c'est ça. Channel Awesome, ils ont fait un peu comme eux autres. Channel Awesome était au courant des affaires de Jew Wario, puis ils n'ont pas parlé. Beaucoup de compagnies cachent beaucoup d'affaires quand que c'est des vaches à lait qui apportent du cash puis des views. Quelque chose comme, puis loin de moi l'idée de vouloir le défendre, mais quelque chose comme Pro Jared, Normal Boot en a entendu parler, c'est du monde qui envoie des nudes à lui, puis que le monde l'envoie de leur plein vouloir. C'est beaucoup vouloir. Été underage déjà. Non, là. Je comprends que c'est pas acceptable, mais... probablement que du côté de Normal Boots, il voulait essayer de passer ça en dessous du tapis, qu'il crisse son camp sans trop faire de bruit, puis on passe à d'autres choses. Ça les a probablement forcés à le remercier plus rapidement, puis de façon plus intense un peu. Mais ça brasse. Je veux pas excuser ce qu'il a fait. Je me mets dans la peau du monde. Ça me fait penser un peu, peut-être que je fais un parallèle douteux, mais avec Tiger Woods, à l'époque, quand il avait trompé sa femme, il avait tout perdu, là. Là, il est revenu, puis il est encore dedans, là, mais ben, tu sais, je sais pas comment ça va virer, mais... Ben là, ça dépend s'il y a des accusations là, pour les photos underage. C'est plate pour le ménage qu'il a brisé, c'est plate pour sa femme, c'est plate pour lui. Sa carrière. C'est plate pour ses fans, le monde qui l'aimait. Je l'aimais beaucoup. C'est quoi qu'on gagne finalement là-dedans? Ben, le shit show est vraiment drôle. Est-ce que je peux dire ça ou est-ce que c'est mal, man? En tout cas, c'est comme Mr. Medicare dit, c'est du quality entertainment, for sure. C'est drôle.
C'est sûr que quand ta job, c'est d'être un personnage public... Ah, tu peux pas faire ça. Si tu fais quelque chose de même... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a des screenshots quelque part et qui attend une opportunité de sortir. On peut-tu rationaliser? C'est pas comme si, mettons, Pro Jared était sourd puis un moment donné, il parle à quelqu'un puis il envoie son pénis à une personne. Là, on parle de quelqu'un qui crée un Tumblr, qui crée un Snapchat, qui fait des sollicitations à ses fans puis que des fans underage n'envoient. C'est vrai qu'il y a de la récurrence. Là, on parle dans un autre level. Je peux comprendre votre défense, la gang. Là, je veux pas le défendre. C'est pour ça que je cherche à faire. On est loin. Là. Mais... S'il y avait juste eu un peu de jugement puis pas divorcé sur Twitter, ça serait pas mis dans cette marde-là. Rien de ça serait arrivé. Là, à cette heure, on est rendu à plus de 150 000 abonnés de perdus. Mais ce gars-là, excusez-moi, là, mais ça va être un gars à checker là, pour qu'il s'accroche à quelque part. Là. Ouais, c'est ça. Je pense, là, de, parce que c'est... On va aller voir right now. Tout ce qu'il a créé, ben, c'est écroulé en tous ses pieds, là. On va aller voir right now, et il est rendu à combien d'abonnés? Il a tombé en bas de 900 000, 886 000, il était à 1 033 000 le 9 mai dans la soirée quand que tout ça a éclaté. On est rendu à combien, Mr. Comptable, de perdu environ? 1 033 000. 150 000 environ, là. On est rendu là, ça continue de descendre et c'est un fucking shit show. Regarde, c'est 146 000 en moins qu'on voit là. For the last 30 years, on le voyait en haut. On les voit ici, 146 000 de perdus exactement. Donc, c'est quoi la morale là-dessus les amis? Ne divorcez pas sur Twitter, for fuck's sake. La morale c'est de... pas devenir une personnalité publique. Je pense que c'est juste ça que je retiens là-dedans. Ah, parce que si il était pas une personne... Non, écoute! Mick, c'est défaillant ta logique. Là, on va s'embarquer dans de quoi. Parce que s'il était pas populaire, ça aurait été correct ce qu'il a fait. Non, je te parle pas de ça. Jeez. Mais je veux dire, comment il y a une monde sur la Terre qui a envoyé des photos de graines? Comment tu penses qu'il y en a? Là? Non. Puis là-dedans, dans les 150 000 personnes, là, il y en a une coupe, certains qui sont hypocrites. Ça, je peux te le dire. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais t'as pas entendu ce que je viens de dire? Si c'était juste une photo de graine pendant qu'il est sous, puis c'est pas si pire. Oh, là. Man, là, créer un Tumblr puis faire des requests non, ça, c'est, à des genre, fans. Non, je dis pas que c'est correct. C'est là. Next level. C'est quoi t'allais dire, mon Lepage? Envoyez donc pas de news en partant. Là. Ben, il y a ça aussi. Garantis que... déjà là. Non, mais je veux dire... Ça fera peut-être pas de scandale, les news que vous envoyez, là, mais je vous garantis que le gars qui reçoit, il va les montrer à ses chums ben, à un moment donné. Puis le monde va faire des screenshots. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu t'envoies des news à ton chum, à ta blonde, votre couple chie une couple d'années, le screenshot existe quelque part, puis ils vont s'en servir pour rire de toi. J'ai vu ça dernièrement, une pub à je sais pas trop quel poste. Là, c'était comme un peu de la sensibilisation aux photos personnelles que tu reçois. J'ai vu ça dans les écoles secondaires. Là, les photos personnelles, c'est personnel. Hey, t'as un peu, pourquoi on traite pas, genre, avant que la photo soit partie, là? Là, c'est comme... Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ben, avant, tu te poses la graine, tu sais. Au pire, pose-toi là juste pas, ou pose-toi juste pas tout nu, là. Là, on est rendu à traiter après que l'action soit faite. Là, je vais avoir de l'air d'un gros catholique chrétien puritain, non, là. J'aime bien ton raisonnement. Mais pourquoi on traite pas? Regarde, fais juste pas ça. Puis là, on est rendu à traiter après. Ben là, regarde, tu t'en reçois une photo de personnel de quelqu'un, garde-la pour toi. Mais là, hey, c'est pas Jen! C'est pour ça que je te dis que quand je vois que ce gars-là, OK, ouais, il a envoyé peut-être des... C'était pas approprié, c'est shit, là. Mais quand tu vois que dedans la culture populaire, c'est rendu que tu vois des pubs de ça, comme de quoi il faut que tu m'emmener, là... C'est peut-être rendu un problème sociétal. Ouais, je pense que c'est plus ça, le problème. Mm-hmm. Les dick pics et les nudes, c'est un problème de société. Ça va bien en tabarnak. Ça ferait ça. Fait que ça fait le tour du show, les gars. Ça fait le tour du show, la gang. Hey, merci tout le monde d'avoir été présent pour cet épisode numéro 55 de C'est pas pour les doux, tabarouette, avec le retour de fucking Mick. Ouais, tabarouette, j'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec mes interventions. Ah, ça a été pas pire. Puis en plus, on a le retour du soundboard, mon GF, en arrière. Mais check avec quoi qu'on enregistre. On enregistre avec OBS. Fait que ça a été un changement de configuration. Fait que merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Et on se revoit très bientôt dans un autre épisode de C'est pas pour les doux. S'il y a tout le monde. Oh yeah. C'est pas pour les doux.